Salut à tous, aujourd'hui on va parler de la série Dark. Effectivement, la série s'est conclue avec la saison 3. À l'heure où je vous parle, il n'y aura pas d'autres saisons, il y a bien un début, il y a bien une fin. Donc on va parler tout de suite de la série Dark. Ah, Netflix, ils sont quand même plutôt chauds quand même sur les séries, on va pas se mentir, hein. En termes de degrés, il y en a qui sont... Oh, c'est pas ouf. Et t'as Netflix, toujours, ils attaquent toujours brutalement. Quand on croit qu'ils sont un peu en PLS, un peu comme ça, ils sont en mode... Attends, j'arrive de... Pouf! Hop, voilà. Et là, ils nous défoncent un peu tous. Ils ont un peu ce talent-là, Passepito. Si vous voyez quelques petites gouttes couler, c'est juste parce qu'il fait chaud. Moi, j'ai extrêmement chaud. La clim ici, on n'existe pas. N'existe pas, il n'y a pas d'enclume. C'est une série de 26 épisodes sur 3 saisons, donc c'est assez court pour le coup. Donc, franchissez le pas, honnêtement, une ou deux semaines, c'est vraiment plié. Ça se regarde rapidement, on est sur de l'épisode entre 50 minutes à 1 heure. Allez, 1h10 pour les plus longs épisodes, c'est assez rapide à regarder. En 2019, le policier Ulrich, ouais, c'est une série allemande, c'est un peu relou, on va pas se mentir, des noms, c'est un peu relou. Il recherche son fils Michael, je crois que ça se prononce vraiment Michael en plus, on va pas se mytho. M-I-2-K-E-L, Michael, quelque part. Donc voilà, il le cherche désespérément, il est en mode putain, elle a disparu, où est-il? Mais à quoi se passe-t-il là? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, un peu, vous voyez un peu l'idée. Et savoir que son petit frère à Ulrich a disparu il y a 33 ans, avec les mêmes phénomènes un peu bizarres en fait. Il a disparu, introuvable nulle part quoi. Donc il a disparu de la même façon, donc forcément là il est désespéré, il se dit mais c'est quoi ce bordel et tout. Voilà, bon vous imaginez bien, un père qui perd son fils, c'est relou. Donc son fils Michael a que 12 ans, voilà, mais de toute façon qu'il aurait même 16 ans, 18 ans, bon, c'est relou de perdre son fils, on va pas se mentir. Ça se passe dans la ville fictive de Widen. C'est quatre familles qui vont être chamboulées justement par cet événement, que Michael justement disparaisse comme ça mystérieusement. Donc il y a quatre familles, on va dire, principalement qui vont être impactées par cette disparition-là. Jonas, lui, un autre personnage, un jeune adulte ou adolescent, on va dire, lui plutôt est chamboulé par le suicide de son daron. Voilà, donc c'est super, Widen, vraiment. Ça respire vraiment le bonheur, quoi. Ça va au nom de la série, hein, Dark. Tu sens bien que tu vas pas t'éclater, tu vas pas danser da salsa cubaine. Salsa cubaine, salsa cubaine. Non, faux. On dansera pas ça. Donc, les enquêtes policières et de certains habitants, justement, via ce qui s'est passé, vont permettre justement de faire comprendre un peu toute l'histoire, tout l'enjeu qu'il y a, et ils vont découvrir au fur et à mesure des choses. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas que les policiers, voilà, vraiment tout un aspect de tous les habitants, les familles, voilà, qui sont impliquées et tout. Donc voilà, ça va gérer plein de connexions et tout, des choses liées un peu particulières. Sentons que sur trois périodes, 53, en 86 et en 2019, tous les 33 ans, voilà, il va y avoir des choses qui sont étroitement liées, voilà, entre elles. J'essaie de pas trop en dire parce que justement, j'ai peur en fait que si je vous dis un élément qui est l'élément principal de la série, ça va vous gâcher déjà la saison 1 parce que je crois qu'au milieu de la saison 1, voilà, ils en font référence, on commence déjà à être sur le sujet, mais c'est bien de se le manger en plein fouet, de se dire, oh putain, je m'attendais pas à ça quoi. C'est une série qu'à partir de la saison 2, ça va commencer à partir un peu dans tous les sens jusqu'à la saison 3, c'est vraiment, à un moment donné, ça part très loin. La saison 1 est assez... classique entre guillemets, voilà, vraiment classique, et encore quoi qu'il y a quelques révélations un peu ouf, quoi. Mais la saison 2 et 3, vraiment, je trouve ça part dans tous les éléments, ça va être dur à suivre et tout. Et je vous promets, franchement, une fin hyper satisfaisante. La série, je trouve qu'il maîtrise vraiment bien tous les sauts dans le temps, voilà, les trois époques, mais il y a d'autres époques aussi hein, qui rentrent en jeu. Voilà, c'était vraiment juste ces trois époques-là, les plus importantes, on va dire, dans la série. Mais vraiment, ça cette maîtrise vraiment brillante, on va dire, de retranscrire un peu toutes ces époques-là, et de manière très cohérente aussi. C'est surtout ça aussi qui est assez intéressant, c'est qu'on voit bien que depuis le début, en fait, ils avaient tout prévu. Surtout quand on voit la fin, on se dit, ah ouais, putain, j'avoue, ils étaient obligés de savoir tout ça dès le départ. Pour une série de trois saisons, ça ne m'étonne pas. Voilà, à mon avis, ils avaient déjà... toute l'histoire narrative, tout le cheminement, je pense qu'ils l'avaient déjà. Ils ont peut-être rajouté quelques trucs
Entre-temps, mais honnêtement, je pense qu'ils avaient déjà le début et la fin. Ils se sont dit, allez, on va clôturer cette série comme ça. Cette série, on se fait très vite plein de théories. Voilà, on est trop en mode, putain, ça, c'est lié à ça. Oh là, mais ça, c'est qui? Ça, ok, c'est un tel. On se fait 1 milliard de théories. On essaie de trouver les incohérences. Voilà, et finalement, on se dit, non, c'est quand même cohérent. On se dit, putain, mais c'est qui lui? Et c'est compliqué parce que c'est une série allemande, donc avec des noms allemands. Donc, des fois, on est en train de se dire, putain, c'est qui ça déjà, machin, ok. Oh, ok, machin. Donc, du coup, tu es toujours sur Google à regarder les personnages. Tu dis, ah oui, c'est vrai que c'est lui, machin. Parce que les noms, finalement, des fois, il y a certains personnages, on peut les oublier parce qu'ils sont pas là tout le temps. Donc, c'est une espèce de puzzle au fur et à mesure qu'on essaye de remettre en place. Et ça qui est vraiment bien dans cette série. Après, je dois bien l'admettre, il y a quelques épisodes qui m'ont un petit peu perdu et sorti un peu des fois de la série. Des fois, j'ai trouvé que ça allait peut-être un petit peu trop loin. Mais bon, dans un sens, c'est pas très grave parce que comme je vous ai dit, comme il y a une fin assez même pas qu'un peu très satisfaisante, avec toutes les explications et finalement tout l'arc narratif de tout le monde en fait finalement, bah c'est relié et puis c'est ok, c'est en mode ok, bon bah je comprends pourquoi ils ont été jusqu'à là, mais c'est vrai que ça va extrêmement loin et des fois il y a certains épisodes que j'ai trouvé un peu moins intéressants que d'autres, d'autres sortaient du lot. Ce n'est que moi, il y en a qui ont dit qu'ils aimaient les épisodes tous, vraiment il n'y en avait aucun qui détestait, que tout était parfait. C'était mon ressenti, voilà, je vous donne une critique un peu abrupte comme ça. Je trouve que cette série aussi maîtrise très bien en fait le rapport religion et apocalypse. Je trouve qu'ils arrivent très bien à l'amener, on va dire, dans cette série, voilà. C'est vraiment une religion, c'est vraiment une série qui est liée à la religion chrétienne. De bout en bout, voilà, ils mettent pas trop les autres religions en avant, mais voilà, tout est étroitement lié à tout ça, on va dire, et c'est vraiment bien foutu parce que la ligne directrice de l'histoire se suit par rapport à la religion chrétienne. Et dans la saison 3, ça va amener justement beaucoup de théories sur le temps, la physique et tout. Cette saison 3 vraiment va amener toutes ces théories-là, voilà, et pour nous amener à la conclusion, voilà, explicative de tout ça. Voilà, et sans spoiler, voilà, c'est vraiment les 3 derniers épisodes que j'ai trouvé extrêmement brillants dans le sens où ça va amener justement toutes les explications au fur et à mesure. On part sur avant-avant-dernier épisode où déjà on commence à voir un peu 2-3 petites lignes, 2-3 petits dialogues et tout. On se dit ok, l'avant-dernier épisode, on se dit ok, ça nous amène à la fin de l'avant-dernier épisode. Hop, déjà on sait qu'il va se passer quelque chose. Et là, quand on arrive au dernier épisode, il n'y a rien à voir, on a l'impression avec les autres, c'est vraiment autre chose. Et là, ça nous dit, voilà, mais c'était ça, la série, c'est ça qu'on a voulu raconter. C'est sûr que là, vous ne pouvez pas vous y attendre. C'est impossible de s'y attendre quand on n'a pas vu la série. Mais comme je vous ai dit, j'en dis très peu, parce que là, mon but vraiment, c'est pas, je dis, ah, tel machin, il y a pas de spoiler. C'est vraiment une vidéo sans spoiler, j'essaie de vous donner envie. Et sinon, au pire, dans les commentaires, ceux qui ont vu, on peut théoriser, on peut parler un petit peu dessus, il n'y a pas de problème. Voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de la fin? D'ailleurs, ceux qui l'ont pas vu, la série, putain, mettez un commentaire, mais lisez pas les autres commentaires si vous voulez pas vous faire spoiler. C'est vraiment une série que je vous invite à regarder, elle est assez rapide à regarder, je l'ai maté très rapidement, pourtant je travaille et tout. Voilà, franchement, ça s'est maté tranquille. Voilà, et je vous spoil vraiment rien parce que, putain, vraiment, j'ai envie, hein, mais je le ferai pas parce que. Il y a plein de petits éléments qui seraient bêtes de vous dire. Écoutez, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo-là. Je voulais la faire sur Dark. Je voulais pas voilà, rentrer plus dans le vif du sujet. C'était vraiment voilà, vous donner envie, comme je vous ai dit. Et j'espère vous revoir à très bientôt pour de prochains épisodes.